beaucoup pour la petite introduction. Donc, on a déjà écouté un peu du métaverse et moi, je vais aller un peu plus dans les détails. Je vais regarder le métaverse dans la perspective. Pourquoi est-ce que je trouve que le métaverse est le sujet idéal pour faire de la recherche cybersécurité aujourd'hui? Et dans la deuxième partie, qui est probablement plus intéressante, je vais montrer pourquoi le métaverse peut apporter quelque chose pour améliorer l'interface entre l'humain et les algorithmes qui mènent la cybersécurité. Donc moi, je suis de IMT Atlantique et je suis titulaire de la chaire cybersécurité des infrastructures critiques. Je suis également dans l'Académie franco-allemande pour l'industrie du futur, quelque chose de IMT. Et dans ma chaire, j'ai des partenaires industriels qui sont Airbus, BNP Paribas, EDF, la SNCF et la région Bretagne et aussi le pôle d'excellence cyber. Trois mots sur la chaire pour vous donner un peu le contexte dans lequel on fait cette recherche. Donc, la chaire, c'est une chaire Institut de Mines-Télécom. Il n'est donc pas nécessairement localisé sur juste une école, mais ma chaire, elle est localisée sur trois écoles. Donc, on a IMT Atlantique avec Brest et Rennes dans la chaire. Et on a Télécom Paris et Télécom Sud Paris qui sont aussi des professeurs qui sont dans la chaire. Infrastructure critique, ce sont presque tous les systèmes autour de nous qui sont là pour faciliter notre vie. Et j'ai structuré la chaire dans quatre axes. Sécurité par conception, détection des anomalies, mitigation si on a détecté quelque chose. Et la quatrième axe, qui est la plus intéressante et importante aujourd'hui, c'est mettre l'humain dans la boucle. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que l'humain, c'est souvent la partie la plus faible si on regarde la cybersécurité. Mais de l'autre côté, l'humain, c'est aussi celui qui prend les décisions à la fin sur la cybersécurité parce que l'humain décide d'arrêter une ligne de production et des autres choses. Mais sur ça, c'est souvent difficile aujourd'hui parce que les systèmes ils deviennent de plus en plus complexes. Et c'est pourquoi nous avons besoin d'un canal entre l'humain, notre cerveau, et les algorithmes pour la cybersécurité. Voilà, donc la chaire existe déjà depuis 2016. On a un chiffre d'affaires de 4,5 millions d'euros depuis la fondation, 18 PhD, 6 postdocs, et on est aussi en train d'ajouter idéalement 2-3 partenaires supplémentaires. Donc si vous êtes un industriel qui est intéressé, n'hésitez pas à me contacter. Les lignes de recherche chez nous, c'est des approches collaboratives, des canaux auxiliaires, spécialement le son, immersive interfaces et sécurité par conception. Et avec cette introduction, je viens directement sur le métaverse. Donc le métaverse, c'est quoi? J'ai mis des images, des films, Tron et aussi Matrix, parce que pour moi, le métaverse, c'est exactement ça. J'ai des données et j'ai des interfaces qui sont réalistes ou non réalistes pour interagir avec ces données. Et ça, c'est très fascinant pour moi. On a entendu avant déjà que les lois physiques ne vont pas dans le métaverse et ça le fait très intéressant pour faire quelque chose avec. Vous avez probablement entendu que le métaverse, c'est peut-être la prochaine forme de l'Internet. Comme ça, c'est naturellement intéressant de le regarder dans la recherche aujourd'hui parce que ça va être la chose de demain. C'est centré autour de l'humain, c'est aussi important. Et c'est l'interface avec la plus grande bande passante entre l'utilisateur et les algorithmes non-inversifs. Donc, je ne fais pas le neuroplaque, mais je mets juste des casques avec le visuel, l'auditif et le tactile. Donc, c'est la plus grande bande passante que je peux avoir entre le logiciel et l'utilisateur. Côté recherche, le métaverse, ce n'est pas fait parce que dans le métaverse, on peut faire toute la recherche qu'on a fait avant parce que ce sont des systèmes distribués, que ce sont des systèmes complexes parce que ce sont toutes les dimensions qu'on avait avant plus la dimension interface VR. Donc, ce n'est pas fait. On peut juste continuer avec ce qu'on avait fait avant. Et c'est même plus important de sécuriser les choses. Pourquoi? Parce que l'interface entre l'humain et le système est maintenant 100% contrôlé par les logiciels.
Et qu'est-ce qui est attaqué? Ce sont les logiciels. Et ça veut dire que ce n'est pas fait pour un attaquant de faire quelque chose avec. En même temps, comme déjà dit, c'est quelque chose avec très grande bande passante. Donc, c'est aussi très intéressant de la manière positive ici pour sécuriser des systèmes. Comme déjà dit, ça c'est un stack, si on fait une gestion à distance avec un metaverse. Donc, on a ici des systèmes autonomes avec la gestion autonome avec le cycle MAPKA. Après, on a des données, on a des visualisations à distance avec collaboration. Et si on veut maintenant interagir avec un système, on a tout le stack ici à droite pour faire quelque chose avec le système. Donc, c'est parfait parce que c'est deux fois la complexité de ce qu'on avait avant où on a directement manipulé le système. Donc, super pour faire de la recherche. L'idée avec notre recherche, c'est de prendre le SOC, le Security Operations Center, et de dire, OK, aujourd'hui, on a des experts qui sont sur place, qui font quelque chose ensemble, et dans l'avenir, on pourrait peut-être avoir ça dans le monde virtuel, avec des nouveaux business models comme, OK, maintenant, j'ai besoin d'un expert de tel ou tel domaine, je vais l'acheter et il va juste me rejoindre pour 2 heures et après je peux continuer sans. Et aussi avec la possibilité d'intégrer les workflows dans une manière verticale où peut-être votre C-level executive peut aussi comprendre quelque chose parce que les interfaces elles sont beaucoup plus compréhensibles que les interfaces qu'on a aujourd'hui. Donc ça, c'est un SOC typique qu'on a aujourd'hui et nous, on peut bien virtualiser ça. Et qu'est-ce qu'on peut faire si on fait ça? Donc, on peut avoir un meilleur situational awareness. Je vais montrer des exemples pour ça dans un instant. On peut faire un meilleur risk analysis. On peut faire gestion à distance. On peut avoir des jumeaux numériques immersifs. On a des nouvelles possibilités pour la collaboration où tout le monde est vraiment dans le même endroit et peut faire quelque chose ensemble. Et on peut faire aussi l'analyse des données dans une manière qu'on ne peut pas faire avec les interfaces 2D classiques qu'on a aujourd'hui. Et finalement, on a aussi l'assistance. Je vais aussi parler de ça. Donc, pour le premier exemple, on a ici un système cyberphysique chez nous. C'est une usine miniaturisée Fischer Technik et ça c'est intéressant comme sujet de recherche parce que c'est piloté par des automates industriels, des réels automates industriels et comme ça on a des fraises-attaques qu'on peut lancer dans un tel système. Si on veut maintenant faire une situational awareness risk analysis à distance, ça a naturellement l'avantage, si on est dans le 3D, de projeter quelque chose qui est similaire de ce qu'on a dans le monde réel. Et ici, on voit exactement ça. Donc, on voit des composants d'un système qui est réellement aussi chez nous. Et on voit aussi qu'on peut enrichir ici les infos sur cette projection. Si vous imaginez maintenant que c'est une usine qui produit quelque chose, vous pourriez imaginer aussi que ça va exploser. Vous pouvez directement visualiser les risques. Et ça, c'est quelque chose qui va être très intéressant, et spécialement si vous pensez que vous n'êtes pas l'expert dans le SOC qui peut-être voit déjà dans les logs, OK, c'est hyper mal, donc il faut faire quelque chose, mais vous êtes peut-être le C-level executive qui dit, OK, mais qu'est-ce qui se passe? Et comme ça, vous pouvez montrer, OK, ça va exploser ici, la production va s'arrêter, etc. Et c'est plus facile pour vous probablement de communiquer sur ça. Le prochain proof of concept que nous avons créé ici, c'est ceci-là. Dedans, vous voyez un graphe des dependencies entre les entités cybersécurité où vous pouvez cliquer quelque chose et s'il y a un défait de quelque chose, vous voyez directement quelles sont les autres parties du système qui sont reliées.
Ici, vous voyez mon étudiant PhD, Anthony David, qui utilise le système. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'un autre étudiant, il est là avec l'avatar qui est le robot, et les deux, ils peuvent travailler ensemble dans cet espace ici. Et ça, c'est intéressant parce que ça permet vraiment d'avoir une collaboration à distance, en temps réel, où les différents interlocuteurs, ils voient vraiment la même chose dans le même endroit. Et ça, c'est très intéressant. En même temps, on voit aussi comment c'est pratiquement. Donc, on pourrait imaginer que dans l'avenir, si vous êtes expert qui travaille dans un SOC, le matin, vous mettez les casques et le soir, vous enlevez les casques. Je plaisante un peu parce que c'est un peu inimaginable aujourd'hui d'avoir ça. Mais dans l'avenir, ça pourrait vraiment devenir un outil qu'on veut bien utiliser, même comme expert qui travaille dans un SOC aujourd'hui. Pour ça, certains d'entre vous l'ont peut-être vu. On a aussi un embedding des tools classiques qu'on utilise aujourd'hui, comme une shell, un terminal qui est dedans. Et on peut aussi lancer des applications Windows dedans, parce que ça, c'est aussi important pour introduire une telle technologie, d'avoir pas une coupure dure où il est aujourd'hui, je suis dans le 2D avec mon ordinateur et demain, je suis avec les casques dans le 3D. Parce que les gens sachent utiliser les outils qui sont dans le 2D et dans le 3D, ils doivent avoir les mêmes outils, les mêmes possibilités de faire quelque chose, plus quelque chose de supplémentaire. Maintenant l'assistance. Donc ici, le robot, il est maintenant l'assistant. Et pourquoi est-ce que ça, c'est intéressant du côté recherche? Si aujourd'hui, vous voulez apprendre ce que font vos ouvriers, vos salariés qui sont concernés par la cybersécurité, vous pouvez enregistrer leurs travaux sur l'ordinateur, vous pouvez les regarder avec les caméras, mais vous n'avez jamais l'image complète de ce qui se passe. Dans l'espace virtuel, par conception, vous êtes dans une représentation virtuelle et comme ça, vous pouvez enregistrer beaucoup plus. Et c'est négatif dans le côté privacy, etc. Mais côté recherche, comment est-ce que je peux aider les gens en utilisant par exemple deep learning pour comprendre, OK, l'expert A, il a fait ça, l'expert B, il a fait ça. Donc peut-être si quelqu'un, personne sait bien, je peux proposer, OK, beaucoup de gens qui ont eu le même problème que vous avez maintenant, ils ont fait ça. Et vous pouvez faire ça directement dans l'interface parce que vous avez la possibilité d'enregistrer toutes les interactions qui sont dans une telle interface. Ici, on voit quelque chose qu'on va voir aussi dans un instant. Ça, ce sont des logs avec une relation temporelle. Et ça, c'est intéressant parce qu'ici, on voit vraiment ce qui apporte la troisième dimension. Parce qu'on a ici la possibilité de décorréler les données dans le temps et de le voir dans le 3D. Quelque chose qu'on ne peut pas voir facilement dans le 2D. Je le dis ici, donc... ce que vous voyez ici aussi, ce sont des flux de données qu'on a représentés comme des tuyaux avec des boules, ce qui sont des paquets de données, des paquets IP qui sont dedans. Et ça, c'est aussi un sujet de recherche de nous. Donc, quelle nouvelle interface pourrait nous aider pour comprendre mieux la situation? Et peut-être si vous parlez avec quelqu'un qui n'est pas l'expert cybersécurité, vous pouvez lui dire, OK, il y a une attaque DDoS et tu vois qu'il y a beaucoup de paquets qui arrivent maintenant et comme ça, c'est plus facile à comprendre. Peut-être. Pour aller plus dans le détail, donc les chambres qui sont dedans, ce sont des composants routage dans le système et comme ça, on voit les données, il y a des flux de données entre les différentes parties de ce système et on peut s'approcher, on peut regarder ce qui se passe. Et tout ça, c'est auto-généré. Donc, on a un outil qui prend une topologie qui est là, qui crée cette représentation en salle. Et après,
montre quelles sont les données en temps réel qui font quelque chose dedans. Et encore une fois, ces recherches, donc on ne fait pas des produits. Donc, ce n'est pas product grade, ça ne marche pas 100% du temps, mais c'est quand même quelque chose que je trouve hyper intéressant de quelles sont les choses qui sont possibles si je n'ai pas les limites classiques des systèmes cybersécurité. Voilà, donc ça, c'est maintenant la vidéo que j'ai dit où on fait un peu le Immersive Data Analytics. Donc l'idée sur ça, c'est vraiment on met les casques, on a les données et on a des visualisations qui sont intéressantes, qui sont peut-être aussi artistiques, on a des sons, on a des feedbacks tactiles. Et comme ça, on peut vraiment entrer dans les données dans une manière qu'on ne peut pas imaginer sans cette technologie immersive. Et ça, c'est vraiment la recherche qui m'intéresse là de qu'est-ce que ça peut apporter pour la cybersécurité. Est-ce que l'expert SOC de l'avenir ou l'expert cybersécurité de l'entreprise, est-ce qu'il va peut-être venir avec son intuition parce qu'il entend le bruit et il voit des couleurs ou quelque chose comme ça? Tout est imaginable concernant les actions qu'on veut bien faire. Et ici, on regarde une denial of service attack et on fait un replay des données, mais ça pourrait aussi être des données en live. On a une carte et sur la carte, on va voir les flux de données. Vous connaissez peut-être ces interfaces, déjà des outils en ligne qui visualisent les data flows entre des lieux dans le globe. Et ici, on est encore une fois dedans. Donc, Anthony, il est à gauche, il fait l'interaction avec ça. On peut changer la projection. À un moment, les données vont commencer à voler entre les différentes parties de cette globe. Et ce qui est aussi intéressant ici, c'est même si on voit maintenant la projection 2D, quand on est dans le 3D, on peut voir plus de détails et on peut interagir avec ce qu'on voit beaucoup plus facilement et beaucoup plus vite. Parce que l'idée de ça, c'est vraiment d'avoir une interface intuitive où l'utilisateur peut plonger dans l'enjeu cybersécurité et faire quelque chose avec. Voilà, maintenant, il change un peu la visualisation. OK, et ça, c'est quelque chose où on n'a pas encore de prototype, mais Explainable AI, c'est quelque chose qui est très intéressant parce que sur Explainable AI, vous avez beaucoup de données qui sont sur le réseau d'entraînement et aussi avec les weights et les nœuds. Et sur ça, des visualisations artistiques, ça pourrait très bien nous aider de comprendre un peu ce que fait la boîte noire algorithme apprentissage machine. OK, pour mettre tout un peu ensemble sur un transparent, nous, on travaille sur comment est-ce que je peux utiliser le métaverse pour améliorer la cybersécurité. Et sur ça, on a fait différents proof of concept et vous ai expliqué un peu quel est le but avec chaque prototype. Et si vous êtes intéressé d'aller avec nous une partie de ce chemin, n'hésitez pas à m'approcher, de me contacter sur le site web de la chaire CBCNI-FR. OK, pour faire le sum up, donc on a vu le métavers, c'est parfait parce que c'est même plus complexe que le système qu'on a aujourd'hui. Et c'est aussi mal naturellement parce que ça veut dire qu'il faut vraiment sécuriser les systèmes parce qu'on est sous ces casques et on est fragile. Et comme ça, si les systèmes ne sont pas sécurisés, on a des attaques et nous touchent réellement. En même temps, c'est aussi une grande opportunité pour améliorer les interfaces entre les algorithmes et les utilisateurs. Et ce lien est hyper important.
Et avec ça, merci beaucoup pour votre attention.